Mademoiselle, s'il vous plaît, vous êtes en retard. Mais ça va, je suis arrivé avec 5 minutes de retard. Pourquoi vous vous acharnez sur moi comme ça, là? Ah, voilà le complexe de persécution qui pointe. Typique. Typique? Typique de quoi, exactement? C'est du racisme, vous avez pas le droit. T'as complètement pété les plombs, Pierre. Je suis obligé de te faire passer en conseil de discipline. C'est pas politiquement correct, c'est ça qui te chiffonne? Pour bien fermer la gueule au recteur, tu me la présentes au concours d'éloquence. Eh, mais moi, je veux rien du tout de vous. Mon salut est entre les mains de Neila Salah. Va mourir. Quel connard. Ça s'est bien passé? C'est trop un raciste. Fatima! Comment vous m'avez appelé, là? Quand allez-vous vous débarrasser de votre accoutrement de banlieusarde informe? Vous savez quoi? Je vous aime pas. Non, mais vous croyez quoi? On n'est pas jugé sur son apparence. Que la manière dont on se présente au monde n'a pas d'importance. L'éloquence, la rhétorique, c'est précisément ça que je veux vous apprendre. Avoir raison. La vérité, on s'en fout. Ouais, c'est bien ça. Exercice pratique. Ami Romain, prêtez-moi l'oreille. Tu vas bien avec ton histoire, toi. Toi, tu deviens la star de la fac et lui, il a le droit de continuer à être un gros raciste. Je comprends pas, là. T'es son amende honorable? Oui. Il s'est servi de toi, mais tu t'es pas servi de lui, toi aussi? Je me suis pas rendu compte que j'étais pas à ma place. Moi, la meuf que j'ai rencontrée, elle abandonne pas comme ça. Soyez fiers de ce que vous êtes. Je veux vous entendre. Je veux que votre voix résonne. Je jure de dire la vérité, même si je mens comme je respire. Je sais qu'un jour s'attachera à mon nom le souvenir de quelque chose de formidable. Mettez-vous ce stylo dans la bouche comme ça et articulez. Comme ça va, c'est halal. Là, c'est une provocation.